Alors, on a beaucoup parlé de finances et d'entreprises. Maintenant, on va évoquer les gens qui travaillent dans ces entreprises. C'est un pan, évidemment, très important du S de ESG. Alors, assez classiquement, on a beaucoup entendu parler de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle depuis le Covid. Maintenant, comment est-ce qu'on dépasse ceci et quels sont vraiment les grands enjeux sociaux et sociétaux dans l'entreprise? Eh bien, pour en discuter, on est ravis d'accueillir en cette fin d'après-midi Cécile Renard-Lafont. Vous êtes partenaire RSE Factory chez Talent. Talent, c'est une société de conseil en innovation et transformation. Bonjour. Bonjour. Et Gilles Vandecaveille, vous êtes directeur général de l'ICAM. Alors, l'ICAM, c'est l'Institut catholique des arts et métiers, donc c'est une école d'ingénieurs. Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. Alors, la qualité de vie au travail, la QVT, donc c'est un peu la thématique qui est inscrite sur le panneau derrière. Néanmoins, on n'est pas là pour parler équilibre vie pro, vie perso, comme on le disait, mais plutôt grands enjeux. Donc, d'après vous, les grands enjeux du monde du travail de demain, de l'épanouissement dans le travail de demain, ou en tout cas du bien-être et du bien-vivre dans son travail, qu'est-ce que ce sera ? Je pense qu'il y a effectivement la QVT. Quand on pense QVT, souvent, il y a un peu le truc du baby-foot, la salle de sport, etc. Je pense qu'effectivement, on a largement dépassé ça. On sait que face aux conséquences du changement climatique, il y a un enjeu très fort de santé et de sécurité au travail. C'est particulièrement vrai pour certains secteurs d'activité, notamment le secteur du bâtiment, et des travaux publics, enfin tous les métiers qui nécessitent de travailler en extérieur. Hein. Oui, on va vers un monde à plus 4 degrés, nous disait tout à l'heure Eva Sadoun, si on ne change pas. En France, oui, c'est ouais, ce qu'on ouais. attend. Plus 4 degrés, donc plus 4 degrés, c'est en moyenne. Ouais. C'est des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes. Donc, comment vous continuez à assurer votre travail en extérieur dans des conditions supportables et qui ne mettent pas en danger votre vie, quoi, hein, tout simplement. Il y a le Conseil économique, social et environnemental qui a fait une consultation il y a très peu de temps auprès des représentants du personnel et des dirigeants, et 70% d'entre eux estimaient qu'effectivement, le dérèglement climatique allait avoir des conséquences significatives sur la santé au travail. Et on a émis 17 recommandations à la suite de cette consultation. Je pense qu'un des enjeux aujourd'hui pour les entreprises, c'est de s'emparer de ce sujet-là, de ne pas attendre, comme c'est trop souvent le cas, d'être face au mur pour se dire comment on fait, et d'anticiper ça dans un dialogue social pour adapter les horaires, adapter les conditions de travail. Sinon, ça va accentuer de fait la précarité au travail. La précarité, les inégalités. Exactement. Alors, on sait que donc, cette transition climatique, elle va demander des adaptations aussi aux entreprises en termes d'activité notamment. Oui. Donc, on est là pour parler emploi. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra pour réussir à travailler dans cette économie en transition? Quel type de compétences, vous qui avez un peu un regard d'observation sur ces métiers? Alors, si j'avais réponse à ça, je pense que ce serait formidable. Quel métier devront faire mes enfants demain, s'il vous plaît? On en discutait tout à l'heure. Exactement, on en discutait. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet au niveau de quelles compétences on va avoir demain. Tout ça nécessite de faire pas mal de prospectives. Heureusement, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. On peut citer notamment le Shift Project qui a sorti le plan de transformation de l'économie française, qui a revu secteur d'activité par secteur d'activité quels allaient être les emplois qui allaient probablement disparaître, ou en tout cas qui allaient nécessiter une reconversion forte, et puis quels allaient être les emplois à créer ou à remettre au goût du jour. Alors, je sais que ça ne va pas forcément faire rêver, mais tout ça, c'est une façon aussi de présenter les choses. Ce qu'on va avoir probablement besoin de plus de gens agriculteurs, hein, qui vont travailler pour une agriculture plus responsable, etc. Donc ça, c'est difficile dans un monde en transition. Difficile parce que ça fait pas rêver. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est on va avoir besoin de gens plus pour réparer. Il y a la loi AGEC qui est sortie il y a quelques temps et qui petit à petit se met en application, avec notamment l'indice de réparabilité. Bah, qui dit indice de réparabilité dit
maintenance, réparation et donc des métiers beaucoup plus manuels. Et puis j'ai envie de dire aussi dans les entreprises, pour se saisir de ce sujet-là, au-delà de nouveaux métiers ou de métiers à transformer, il y a des nouvelles compétences à acquérir. Quand vous êtes directeur financier, vous savez que vous allez devoir aborder la performance de façon beaucoup plus globale que vous ne l'abordiez aujourd'hui avec la performance extra-financière. Quand vous travaillez dans le marketing ou la communication, il va s'agir aussi d'avoir une façon de communiquer qui soit aussi plus durable et moins incitative, en tout cas voilà, qui soit plus responsable dans la façon de faire. Donc tous les métiers aussi vont devoir acquérir ces nouvelles compétences. Fort heureusement, maintenant, dans la plupart des programmes de formation des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, on voit toutes ces notions ESG qui sont beaucoup plus intégrées. Pour autant, ça, c'est les jeunes générations qui sortent. Donc, il y a tous ceux qui sont sur le marché du travail aujourd'hui qu'il s'agit de former. Et ça veut dire aussi admettre qu'on ne sait pas tout, qu'il faut se remettre en question et qu'il y a de nouvelles choses et des nouvelles compétences à acquérir. Alors justement, l'école d'ingénieurs, la fameuse, elle est là. C'est un peu la voie assez traditionnelle en France. Voilà, on a l'école d'ingénieurs, on a l'école de commerce, bon, médecin et avocat. Voilà, on a fait le tour des belles professions, des beaux parcours. Quand on est ce type de voie assez traditionnelle, comment est-ce qu'on forme à ces métiers de demain? Comment est-ce qu'on continue d'être innovant? On se pose la même question que vous. Et on essaye de co-construire déjà avec les entreprises. Je pense qu'on parlait tout à l'heure du monde de l'entreprise, il faut absolument faire ça en coopération avec l'institution, le gouvernement et les entités institutionnelles, le monde économique et puis le monde de l'éducation, parce qu'il faut préparer vos enfants, nos enfants, à ces transformations sans savoir exactement de quoi ils auront besoin. On peut prédire certaines choses, mais on a beaucoup moins de certitudes qu'à une certaine époque et on ne va pas surfer sur des ressources en grande disposition. Donc on essaie plutôt de leur apporter la curiosité, de l'ouverture, de l'adaptabilité. Nous, à l'ICAM, on reste positionné sur un profil d'ingénieur généraliste. Donc on leur fait connaître un maximum de technologies, de compétences et d'expériences. On a mis maintenant des sciences du vivant dans la formation d'un ingénieur qui, au départ, était plutôt un ingénieur technicien. C'est la biologie, la science du vivant, pour les vieux. C'est plein de choses. C'est comprendre le cycle de l'eau, comprendre la pollution, savoir comprendre plein de le cycle du vivant. C'est 200 heures sur un parcours d'ingénieur aujourd'hui. On est parmi les premières écoles à le faire, mais effectivement, on va devoir s'occuper de ça. Mais il faut aussi essayer de plus former pour un métier, mais plutôt pour un contexte, un environnement qui est changeant, qui est incertain et qui va être très challengeant parce que toutes nos certitudes sont en train de tomber. Et on voit bien que si on rejoint le S de ESG, au niveau sociétal, il y a aussi des enjeux énormes. Et ça aussi, il faut qu'ils soient prêts à dealer avec et à composer avec. Donc il y a un aspect aussi de formation humaine, d'éthique et de vision systémique de ce que peut être le rôle d'un ingénieur, mais au global d'un travailleur dans le futur. Alors ça, c'est pour la partie compétences. Maintenant, il y a aussi quelque chose dont on entend beaucoup parler, que je ne peux pas ne pas aborder, qui est la question du sens aujourd'hui. On demande aux entreprises d'avoir du sens, certaines adoptent une mission. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'une entreprise aujourd'hui de procurer à toutes les personnes qui travaillent pour elle du sens? Et surtout, est-ce que c'est réaliste de promettre ça aux jeunes générations? Alors, ce n'est pas le rôle de l'entreprise peut-être de donner du sens, mais elle doit en tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, la place du travail n'est plus celle qu'elle était à notre époque, il y a 20 ou 30 ans. Et que quand on fait une enquête, on a une chaire de recherche à l'ICAM qui s'appelle Sens et Travail. Et on a travaillé justement sur l'attractivité des métiers et sur le sens au travail et les pratiques de management. Et en fait, si on se dit que la QVT peut avoir un rôle, elle ne donne qu'un cadre réglementaire, elle n'est pas une fin en soi. Et dès qu'on commence à faire le lien avec la société, il faut qu'on tienne compte du bien-être des gens. Et donc du bien-être à la personne. Et c'est en fait les responsables, les managers, les chefs d'équipe qui vont devoir avoir une attention à la personne et pouvoir garantir que la contribution soit reconnue, qu'il y ait une progression
Et je ne parle pas de progression hiérarchique, hein, je parle vraiment d'une progression, d'un sentiment d'évolution, et qu'il y a un apport positif, en fait, qui ait du sens, au sens je sers à quelque chose, j'apporte quelque chose à la société. Donc ça, c'est, l'entreprise seule ne peut pas l'apporter, mais on doit en tenir compte aujourd'hui dans le fonctionnement du travail, dans une organisation. Alors quand on vous écoute, ça va être un gros défi pour les managers, parce qu'il faut identifier les formations, il faut accompagner les évolutions, il faut procurer ce sens. C'est quand même un rôle assez lourd pour les managers, en plus de leur job finalement, de leur travail. Sans compter, donc, il faut évidemment donc, accompagner les carrières, il n'y a pas que la formation aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait carrière? Qu'est-ce que c'est faire carrière? Et qu'est-ce qui bloque encore? Quels sont les freins dans les carrières professionnelles à lever? Et, alors on peut évidemment penser au salaire, au plafond de verre, etc., mais pas que. Alors, je ne sais pas si le faire carrière est si important que ça, en fait, aujourd'hui. Mais c'est vrai, ça, ou c'est un mythe? Quand même, j'aimerais savoir. Alors, je pense que le être utile prime sur le faire carrière, je pense. D'accord. Et ce n'est pas qu'une posture. Dans les jeunes que l'on recrute, enfin, talent recrute, hein, beaucoup en sortie d'école, il y a quand même cette notion de être utile. Ça vous êtes d'accord? Alors, bien sûr, il y a encore toujours cette volonté de progresser, etc. Mmh. Mais c'est plus une marque de reconnaissance. Mmh. Mais le être utile me semble être quand même le point qui ressort davantage. Et souvent, pour être utile, plus on monte entre guillemets dans les échelons, plus on a un peu un pouvoir d'influence, un pouvoir de faire. Voilà. Donc, je le mettrais plutôt comme ça. Après, peut-être que je suis un peu naïve, ou alors qu'on est entouré de gens formidables chez Talents. En matière d'investissement, tout le monde veut investir vert, et puis quand on voit là où va l'argent, c'est moins sûr. Donc je me demande si c'est un peu la même chose entre la posture et la carrière qui est choisie après. Il y a peut-être un peu de ça. Après, il y a effectivement... Alors, sur les notions de faire carrière, on voit qu'il y a encore des freins, notamment pour les femmes, hein, pour accéder. C'est pas encore. Enfin, quand on regarde dans les comités de direction et les conseils d'administration, le taux de représentativité des femmes est encore faible. Je pense qu'il y a un sujet aussi. Qui est avant même de rentrer dans l'entreprise, on en discutait tout à l'heure, dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui c'est 20% des femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs, 20-25%, donc on voit bien qu'il y a quand même dès le départ un biais. Il y a un besoin de modèle aussi, hein. Donc chez Talents on met en place un programme qui s'appelle Nos femmes ont du talent, pour justement mettre en visibilité des carrières de femmes au sein de l'entreprise, pour donner envie et montrer que c'est possible, et montrer des chemins qui sont... On n'y arrive pas forcément par les chemins, on va dire, tout tracés. Hein, les chemins sont un peu différents. On passe aussi par les cases maternité, etc., qui sont quand même... à un moment ou à un autre, encore des freins. Donc voilà, donc montrer des rôles modèles et des femmes en fait qui peuvent être un peu inspirantes aussi au sein des entreprises peut être un moyen de aider en tout cas les femmes à faire carrière, ou en tout cas à se donner la possibilité de le faire et à dépasser ce dont on parlait aussi tout à l'heure, ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a encore beaucoup. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des quotas, même si la France est plutôt en avance là-dessus. Il faut encore trouver les femmes, trouver les postes, trouver les compétences. Si on n'a que 20% de femmes en école d'ingénieur, comment est-ce qu'on aboutit derrière dans des boîtes, des industries qui ont des secteurs d'activité au profil plus industriel à une représentativité égale dans les instances dirigeantes? C'est exactement ça, mais il faut aussi changer le système et le paradigme est en train de changer. Comment est-ce qu'on change le système? Il faut s'y mettre tous ensemble. C'est une question de coopération. Il faut être à l'écoute des évolutions du monde, au sens large de la société, du monde économique, bien sûr. Il ne faut pas le faire violemment, mais il faut l'anticiper, en prendre conscience. Nous, on essaye de former des gens qui sont assez libres, conscients, ouverts sur le monde. Et je pense qu'on est plutôt sur des qualités, des soft skills. Après, la formation, ça peut aller très vite. Quand on est motivé par quelque chose, on peut apprendre très, très rapidement. Et il y a beaucoup de support maintenant pour pouvoir apprendre, hein, des plateformes en distance, etc. Mais je pense qu'il faut donner, faut ouvrir des voies, et les exemples sont toujours intéressants. Nous, je me rappelle avoir échangé avec vous sur les low-tech et sur des ingénieurs qui maintenant se lancent dans la low-tech. Ils n'ont jamais eu
une heure de cours sur la low-tech. Alors la low-tech, est-ce que vous pouvez redéfinir, parce que tout le monde n'est pas encore familier avec ce qu'est la low-tech? La low-tech, c'est l'inverse de la high-tech, c'est-à-dire c'est tout ce qui est utile, facile à mettre en œuvre et à réparer, entre autres, et simple, c'est-à-dire accessible au commun des mortels. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a quelques ingénieurs qui ont ouvert la voie et qui mettent à disposition et qui voilà, c'est produire de l'eau potable, produire de l'électricité. Voilà, on revient à des choses très basiques qui, quand on parle d'un ingénieur, c'est pas à ça qu'on pense au départ. Mais si on entend ce qui s'est dit tout à l'heure et sur l'évolution du monde, ça peut devenir utile à un moment donné. Et surtout, ça développe des qualités de confiance en soi, d'adaptabilité, de curiosité, d'ouverture au monde et aux autres. Et je pense que ces qualités-là vont être nécessaires pour pouvoir faire la transition du mieux possible. Alors, est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes à accorder, on sait que ça a plus d'importance, mais accorder vraiment une importance prédominante à ces soft skills plutôt qu'à voilà, à la voie royale? Il y a une primauté, une prime à l'école, à la bonne école. Encore en France, quand on postule, on va choisir celui qui sort de là, voilà, parce que c'est le top école, c'est le top dans le classement. Et vous pensez vraiment que les entreprises sont prêtes à ce changement? Il va falloir innover, hein. Donc pour innover, il faut s'ouvrir au monde, il faut être curieux, il faut accueillir la diversité, il faut sortir de l'entre-soi, sortir des sentiers battus, etc. C'est hyper important. Donc est-ce que les entreprises sont prêtes à le faire? J'ai le sentiment qu'elles comprennent qu'elles vont être obligées de faire un pas de côté, un grand pas de côté, pour se regarder sous un prisme différent, parce qu'il ne va pas s'agir de faire moins mal ce qu'on faisait avant, il va falloir réfléchir à faire autrement. Et ça, ça nécessite de s'ouvrir et donc d'être curieux, donc d'avoir ces fameuses soft skills pour inventer, pour innover, pour voir le monde sous un angle un peu différent. Un monde qui peut effectivement donner plein d'envie de faire les choses différentes. Enfin, on peut regarder ça sous un œil, avec un œil extrêmement angoissé, et on peut regarder ça aussi avec un œil absolument enthousiaste, parce que c'est le moment de réinventer les choses. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Réinventons avec enthousiasme et véhiculons un message plutôt optimiste pour les jeunes. Allons-y. Mais c'est sûr que moi, j'ai des entreprises qui me disent on n'innove plus assez parce qu'en fait, les ingénieurs se ressemblent tous. Ah, ça, c'est intéressant, oui, parce que c'est... Ben, voilà. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il faut, comme pour les travailleurs, il faut avoir une attention à la personne et découvrir plutôt les talents de la personne et les faire progresser. Et ce que je disais tout à l'heure, reconnaître la contribution très personnelle de la personne. Mais ensuite, il faut accompagner cette transition. Le problème des entreprises, c'est qu'on est dans un paradigme socio-économique qui est quand même un peu figé. Et aujourd'hui, la réglementation doit évoluer, l'accompagnement doit se faire dans l'éducation, auprès des entreprises. Et donc voilà, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est un tout, tout est relié. Je crois que c'est Edgar Morin qui disait relier, relier, relier. Donc voilà, c'est un mouvement systémique qu'il faut accompagner. Mais en tout cas, la jeunesse nous pousse à le faire, elle a envie de le faire, parce qu'elle veut retrouver du sens dans ce qu'elle pratique au quotidien. Mais un grand merci tous les deux pour vos regards. Merci. Merci à vous.